Alors aujourd'hui, départ de Eratsun en Navarre pour Souparobi et le parc éolien. Équipe du jour, Marie, Cathy, les seules féminines de l'étape, Jean-Michel, Francis, Philippe, Gigi et la mascotte, Mendy. Allez, à tout à l'heure sur le champ éolien. La troupe là s'est arrêtée pour faire une petite dégustation de fruits sauvages. J'attends de voir l'effet sur leur intestin pour les goûter à mon tour. Ne vivons pas dangereusement, il y en a qui le font à votre place. Jean-Mi, il a déjà mangé la branche. Devant ou derrière. J'attends l'ours là. Angelo, l'ours. Allez, le nouveau de l'équipe, Francis. Tous les jours une découverte. Oui, exactement. Bientôt nous serons 3000 sur les routes. Marie est de retour du Congo. La vieille qui arrive. Oh. Voilà les, la vieille. Marie a puisé les champs pétrolifères du Congo. Allez, maintenant c'est opération de caillasse. Oula, il y a un trou. Là, c'est la falaise ou quoi? Oui, c'est pour Angelo. Photo. Ça descend plein pot là. Ah non, bah. Vous avez pas pris le parapente dans votre sac? Ouais, mais là, on a pris une tente bivouac qui fait parapente. Il a pris ton mari, c'est un mouchoir. Hein. Moi j'ai d'arriver en bas. Ouais, c'est clair, se lancer, ça va aller. Après ça, 10 vènes. 10 vènes de voler. 10 vènes. Ah, je comptais aller à l'eau froide là. J'ai fait le parapente. Ouais. Ouais. Nous atteignons enfin le début des crêtes qui nous laissent espérer que les difficultés sont maintenant derrière nous. Voilà, après 2h40 à travers une forêt très difficile, nous arrivons sur le parc éolien. La récompense est au bout du chemin. Ici devant nous, Erakori. Au-dessus du village d'Escourpa. Tiens, il y a 3 éoliennes qui arrivent là. Celle-là, je l'appelle Désirée. Hein. Je les appelle Désirée, celle-là. Souparobi, vaincu! C'est magnifique! Fike.
elle tourne et puis c'est supportable quoi. Parce que la dernière fois c'était intenable. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, le vent se lève, les éoliennes avec. Ah, qu'est-ce que tu manges, la terre? C'est drôle, elle mange de la terre, les pois. Ah oui, elle mange de la terre. Allez, sortie du parc éolien, la forêt. Alors je ne vais pas encore dire sur le chemin du retour parce qu'il nous reste un petit pic à grimper, l'Irébert, et après nous plongerons. Donc le chemin suit son cours. Changement de décor. Il manque que les chevaux. Ah, c'est beau, hein? Et la petite maison. Ouais. Voilà, on pouvait manger là. Voilà, ils étaient pressés de manger, ces affamés. Là, on était comme des petits rois. On se croirait. Quatre éoliennes qui arrivent, mais celle-là, elle ne tourne pas beaucoup. Ce sont des moulins à vent, ça. Des moulins à vent, ce sort. En arrière, on se croirait à 4 mètres. Voilà. Maintenant, je vous en montre des vrais. Et devant nous, le dernier pic de la journée, l'Irébert. Allez, nous sommes plus très loin et après on bascule derrière, on contourne la colline à notre gauche et on rentre. Et là, nous avons les grands espaces devant nous. Ah, fini. Ça y est. Ça y est. C'est ce que j'ai dit à Marie. Formidable. Imagine, on retient. Il est maçon, oui. Est-ce que ça se grimpe? C'est la question. Oui, au mental. Je te connais et puis tu vas être contente en haut. Voilà, nous sommes devant
L'Irébert. Nous arrivons. Comment il s'appelle le pic ? Irébert. C'est pas la peine, je vais pas me rappeler. Voilà. Nous sommes montés comme des fusées. Facile, c'est ça. Arantxa, Irébert, vaincu. C'est le choix qu'on a fait. Ouais, ça revient. Oui, ça revient. Le 11-11. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est ça par contre, un jacquin? Qu'est-ce que c'est ça? Un lance-roquette. Qu'est-ce que c'est? Regarde l'autre qui m'a fouillé, regarde là. Elle arrête pas. Endroit magique. Reste prairie devant si elle est belle. Avec la forêt derrière. Il y a un vert magnifique. Hein. La couleur de la soupe est crée. Aïe aïe aïe. Descente de l'Irébert au taquet pour Philippe qui rattrape la troupe. Elle est froide, hein? Ouais, quand même fraîche.